Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, à bientôt. Et bonsoir à vous et bienvenue Luc Lang. Est très heureux de recevoir à Effraction autour de ce livre qui a beaucoup marqué notre comité de lecture, qui a été un de ceux sur lesquels on a tout de suite tous été unanimes dès l'été dernier, alors qu'il est paru à la fin de l'été, qui s'appelle Le récit du combat, qui est votre 17e livre, Luc, si j'ai bien compté dans la biographie. Majoritairement des romans, majoritairement chez Stock. On peut citer les romans précédents, La Tentation en 2019 ou Au commencement du septième jour en 2016 et puis une dizaine d'autres avant. Et puis il y a eu aussi des essais. Vous êtes intéressé à des questions esthétiques, des questions d'histoire de l'art puisque vous l'avez enseigné longtemps et vous l'enseignez encore, pardon. Et vous avez aussi écrit des essais, dont l'un vers lequel je me suis repenché pour cette rencontre, qui s'appelle « Délit de fiction », qui est disponible en folio, qui a dû paraître en 2011 de mémoire, et qui est au cœur des questions qu'on essaie de brasser avec ce festival, à savoir celle de la littérature et du réel et des rapports qu'ils entretiennent, en essayant de ne pas être simpliste. Et c'est justement ce que cet essai, notamment, permet de ne pas faire, de ne pas simplifier à l'extrême. Et cet essai est non pas un éloge de la fiction, mais une défense, assurément, des procès qui lui sont injustement faits. Ça part de cette position-là, et c'est extrêmement riche. Alors, je ne vais surtout pas le résumer, puis je le ferai maladroitement, mais pour autant, cela pourrait être ma première question, parce que ce livre, donc, Le récit du combat, pourrait, si on le présentait très très vite, et ce serait une erreur, on vous dirait c'est un livre sur le karaté ou sur le judo. Et évidemment, tout ça, ce serait réducteur. Si on vous disait c'est une autobiographie, ce serait réducteur aussi. Puisque ça participe de ça, c'est la vie d'un homme, aux présences du singulier et majoritairement à la première personne. Je dis majoritairement parce qu'il y a de la deuxième personne à des moments capitaux. Cet homme, c'est vous. Et c'est raconté du début à maintenant. Donc, effectivement, c'est un récit de vie, mais il s'appelle Le récit du combat. Alors, on pourrait entendre métaphoriquement que c'est la vie qui serait un combat ou c'est un combat de karaté qui serait au centre. Eh bien, non. La question du combat dans cet art martial est une question d'ordre métaphysique et poétique sur laquelle on reviendra. Mais évidemment, ce livre, s'il a un charme et un intérêt si particulier, c'est parce qu'il l'utilise. J'évoquais cet essai d'élite fiction parce que à un moment, vous classez les choses selon leur ordre dans l'histoire de l'art, et notamment deux types de récits, hein, qui seraient, pour le dire simplement, l'essai ou le récit historique et le roman. Et il me semble que la particularité donc, du récit du combat, c'est qu'il se allie les deux. Vous avez écrit des romans et des essais, vous les avez bien distingués. Hein, dans votre art du roman, vous l'avez souvent dit, et dans celui-là aussi, le roman n'est pas là pour penser, on ne doit pas penser dans le roman, on n'est pas là pour commenter. Le roman, c'est en quelque sorte des états d'être et des actions pour aller à l'essence de cela. Et c'est pas ce moment-là où on pense. Or, ce livre-là fait très habilement, je pense, les deux. C'est-à-dire qu'il pense une discipline, des disciplines, il pense une vie, des cheminements, des questions, il pense des motifs, celui de la chute, on en parlera certainement. Et puis, il raconte, avec tout l'art, du romancier. Et avec des incises, des suspensions, des rythmiques. Et donc, ce serait la première question que je voudrais vous poser, après avoir longuement donc introduit. Mais pour vous poser la question du genre, où est-ce que vous le situez, vous, ce livre-là, dans votre travail et dans les genres, l'histoire des genres littéraires?
Oui, alors je suis assez heureux que vous fassiez référence à Délit de fiction, parce que le titre Délit de fiction, pourquoi j'écris ce livre en 2011, c'est parce qu'il y a un retour inflationniste à inspirer d'une histoire vraie, tirer d'une histoire vraie, qu'on voit fleurir sur tous les écrans de cinéma aussitôt qu'il y a un film qui sort. On l'a également pour introduire à des romans, inspiré d'une histoire vraie, tiré d'une histoire vraie. Et puis, il y a évidemment toute cette production qu'on appelle l'autofiction en France, qui est un spécimen particulièrement franco-français. Hein. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver l'équivalent dans d'autres pays. Et ce pourquoi j'écris Délit de fiction, justement, c'est parce que je suis au Jeu de Paume un après-midi en train de voir une exposition de Sophie Ristel-Weber, qui est une artiste, mais qui est aussi photographe. Donc la photographie, ça a quelque chose à voir évidemment avec la réalité. Sinon qu'elle a, elle, une certaine façon de photographier la réalité qui est au-delà donc de la photographie de reportage. Et je suis à l'entrée d'une salle où on est en train de projeter une vidéo d'elle, et j'ai un agent de surveillance qui fonce droit sur moi. Alors pourquoi ? Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Et il s'arrête, il me glisse à l'oreille. Aucune inquiétude, c'est une fiction. Alors là, je savais pas pourquoi j'étais désigné par je ne sais quelle force mystérieuse, occulte, qu'il fallait que cet homme s'adresse à moi pour me dire « aucune inquiétude, c'est une fiction ». Donc effectivement, ça a déclenché chez moi l'envie de parler de ce qu'était la fiction et essayer donc de déconstruire cette ligne de démarcation entre vérité et fiction. Donc il y aurait des textes narratifs qui diraient la vérité, ce dont peut se revendiquer Annie Ernaux, par exemple. Et puis, il y aurait des textes narratifs qui se revendiqueraient de la fiction, donc qui seraient en gros de l'invention. Mais on sait bien que, même d'un point de vue religieux, Dieu invente le monde, tout de même. Et si Dieu invente le monde, ô combien le monde est réel. Donc le rapport entre l'invention et la réalité, c'est quelque chose aussi de très compliqué. Et quand mes enfants n'arrêtaient pas de me demander « mais les histoires que tu écris, elles sont vraies ?» Et je leur disais « bah oui, puisque vous avez le livre entre les mains ». Donc le fait que le livre existe, c'est déjà, d'une certaine façon, c'est une réalité. Alors une vérité, c'est évidemment autre chose, mais quand on raconte sa journée à un proche le soir, ou quand on raconte des vacances à des amis, d'une certaine façon, on est dans un acte narratif qui reconstitue une cohérence, celle d'un récit, qui, somme toute, s'accommode dans sa cohérence de bien des ellipses. Et on est bien dans une construction. Donc, ce que je voulais montrer dans Délit de fiction, justement, c'était que, finalement, ce qui fait la réalité d'un texte, c'est sa puissance, finalement. Et que dans la réception qu'on en a, je prenais cet exemple à cause de la modification de Butor. Je disais que quand on est dans un train en train de regarder le paysage à travers la vitre, est-ce que la perception qu'on a du paysage est moins vraie ou plus vraie que la perception qu'on a d'une histoire quand on lit un roman ? Finalement, dans les deux cas, on est dans une perception. Donc, ces deux perceptions, que ce soit celle du paysage ou celle de nous en train de lire un roman, finalement, nous façonnent d'une manière sensible et intellectuelle de la même manière. Donc, si vous voulez, c'est des notions que j'ai essayé vraiment de déconstruire dans ce texte. Alors, pour ce qui est du récit du combat, qui est effectivement un texte hybride, qui m'a pris 4 ans, d'ailleurs, à écrire, tellement c'était difficile, parce que j'ai essayé de mêler à la fois des éléments théoriques, des éléments analytiques, avec des éléments de récit de vie, des fragments de récit de vie, et avec ce que j'appellerais des moments romanesques, des moments glorieux, si j'ose dire, parce que je trouve dans le roman une espèce de bonheur absolu du narratif. Et j'ai pu traverser des moments de vie qui étaient proprement romanesques, notamment la scène de la prison en Afrique noire. La prison en Afrique noire, c'est particulièrement romanesque.
Et donc, évidemment, que dans ces moments-là, je m'engouffre avec une joie sans nom dans l'usage du roman, parce que j'ai la matière pour. Et peu importe, finalement, que j'ai vécu ou non cette semaine en prison, en l'occurrence, je l'ai vécu, mais peu importe si je l'ai vécu ou non, ce qui compte, c'est qu'elle puisse être devenue une expérience pour celle ou celui qui lit cette scène. Donc, il a fallu essayer de, avec un thermostat qui s'affolait sans cesse entre de l'analyse, entre de la référence à la philosophie, entre des confessions autobiographiques, et puis des moments comme ça où ça décollait pour moi dans des choses proprement romanesques. Et pour donner une cohérence à tout ça et une fluidité, puisque évidemment il ne s'agissait pas de faire un précis théorique sur le karaté ni sur le judo, il s'agissait d'en faire une métaphore de la vie, une métaphore du combat que peut être la vie et les épreuves qu'on peut traverser et comment on s'en relève. Eh bien, il a fallu essayer de caler tout ça, et ça fait ce récit évidemment particulier dans mon travail. Oui. Ce récit, il est chapitré. Je pourrais tous les citer, mais il y a légende, judo, errance, karaté, le vêtement de travail. Si, je les cite tous. Le sensei, le maître, le combat, la conversation, la maison, le dojo, kata, les textes sacrés, les âges, l'oubli de soi, écrire, la main et transmettre. Qui, plus que des thèmes à proprement parler, sont des motifs dans lesquels vous nous engouffrez, autant que des étapes, parce que c'est chronologique. Donc là aussi, on suppose le travail d'organisation de tout ça. J'en ai volontairement lu la liste aussi, parce que je sais que ces motifs-là, tous pourraient être prétexte à questions qu'on n'aura pas le temps de traiter en une heure. Donc au moins, ça a été lancé une fois. Sur ce qu'on n'aura pas pu dire, il y a aussi ces arpents-là. Mais je vais commencer par le début et par légende, donc, puisque le livre nous emporte d'emblée aussi par une scène légendaire et en même temps familière, étrangère et familière, une scène d'enfance, de combat, du premier combat fondateur sur la plage avec Robert, dont il va être question. Robert, et là je cherche en essayant d'être efficace la citation que je voulais donner, elle est là. Robert, c'est à la fois cet homme que je désigne comme mon père depuis 2 ans, guère plus. Et Robert, c'est aussi dans la vision de ce combat-là qui se passe à la plage, quelque chose comme l'envers d'une virilité, enfin de virilisme en tout cas. C'est une figure à la fois évidemment de paternité, d'autorité, mais qui, et c'est précisément dit un peu plus tard, j'avais bien saisi intuitivement au moins, qu'il ne proposait aucun modèle de virilité masculine, ça ne l'effleurait pas. Or, ce Robert, c'est à la fois le père, celui que vous désignez père, mais pendant 50 pages, il est considéré comme le père avant qu'un géniteur soit nommé et évacué en même temps, et très volontairement, et de façon très volontaire et affirmée. Mais Robert, c'est donc aussi un maître de judo au sens propre, puisque c'est un marginal, comme vous le dites à un moment, à ce moment-là, puisqu'il est un des premiers pratiquants et enseignants du judo en France. Donc j'en viens à une question, je fais de ça une question, parce qu'il y a beaucoup... c'est un personnage source et c'est un personnage à multiples facettes dans ce livre-là. Parlez-nous de Robert. Oui, c'est un livre qui lui rend hommage aussi, évidemment. Je n'ai pas choisi un Saint-Christophe pour rien sur la couverture, évidemment, puisque je considère que cet homme fut mon Saint-Christophe et m'a permis de traverser le fleuve pour arriver sur la rive de l'âge adulte. Mais... en fait, cet homme survient donc dans mon existence quand j'ai 5 ans et demi. Et il est d'abord juste le surgissement du masculin dans une vie qui s'organise autour de la mère et de l'enfant. L'enfant connaît donc que le corps de sa mère et connaît donc que la douceur du corps de sa mère et l'odeur du corps de sa mère. Et puis, il va découvrir donc d'un seul coup... Un personnage qui véritablement s'impose à lui dans une scène quasi mythologique, puisque c'est en Corse, sur une plage, avec, dans l'odeur des eucalyptus. Enfin, ça me faisait penser à certaines scènes de Pasolini ou de Fellini. Et donc, quand cet homme surgit, l'enfant découvre évidemment une force particulière.
avec laquelle il engage immédiatement le combat, et avec laquelle il engage immédiatement le chahut, ce qu'il appelle la bagarre, et il y trouve une espèce de joie immense, et ça crée comme une espèce de scène originelle de la nature du rapport qu'il peut construire avec cet homme, qui sera un rapport évidemment de force à force, bien qu'il comprenne que cet homme ne lui fait jamais mal et que donc cet homme lui est d'une bienveillance infinie et que finalement cette force qu'il déploie face à l'enfant pour chahuter avec lui, finalement ça deviendra la force de l'enfant, puisque ça deviendra sa muraille, ça deviendra sa propre force. Donc voilà comment se tissent les liens de cet homme à cet enfant qui, pendant 2-3 ans, vont s'appeler Luc et Robert, jusqu'au moment où, d'un seul coup, l'enfant décide de l'appeler papa. Et donc, c'est une adoption réciproque. Et ça construit chez moi l'idée que l'origine importe peu. C'est-à-dire l'origine au sens biologique du terme. Ça évacue pour moi complètement la question de la légitimité du socle biologique, puisque finalement c'est une histoire qui se construit entre des êtres, et que cette histoire qui se construit entre des êtres fonde en fait la légitimité du lien, et qu'il n'y a pas d'autre légitimité du lien que celle-là. Ce qui va évidemment ensuite orienter toute l'existence, et je vais évidemment chercher chez les philosophes disons ceux qui ne traitent pas de la question de l'origine au sens biologique du terme, et évidemment que ça construit ensuite mon propre rapport à l'éducation des enfants, enfin bref, ça fonde en fait totalement une trajectoire, et ce Robert donc qui va vouloir transmettre son expertise, c'est un ouvrier d'usine qui trouve son aristocratie dans la pratique du judo, dont il est l'un des pionniers en France, puisqu'il ouvre avec celui qui devient mon parrain, il ouvre le premier dojo à Paris en 1946-1947, et dans ce dojo vont défiler ensuite des personnalités dont, pour nous, la plus connue, ça serait Yves Klein, qui travaillait dans ce dojo. Yves Klein, l'artiste des monochromes bleus. Cet homme est doué d'une expertise, mais il n'arrive pas à la transmettre puisque la mère très mystérieusement va s'y opposer, et donc à partir de là ça va créer une espèce de trajectoire très particulière dans le rapport aux arts martiaux et au manque, puisque un lien avec cet homme-là sera interdit, alors que c'était le lien fondateur de cette rencontre sur cette plage corse. L'interdiction de la mer a rapport avec la chute, me semble-t-il. Oui, je déforme. Bien non. Sûr. Alors, il y a un homme qui dit à l'enfant « il faut apprendre à chuter pour pouvoir se relever », et puis il y a une mère qui dit à l'enfant « il ne faut pas chuter parce que c'est mauvais pour le dos ». Et donc, l'enfant est pris dans cette sorte d'alternative entre faut-il chuter, faut-il apprendre à chuter, ou faut-il se préserver de la chute. Et donc, ce motif de la chute va devenir tellement obsessionnel chez l'enfant que ça va devenir un motif récurrent, y compris chez l'adulte, de la manière la plus tragique qui soit, puisque sa compagne décide de sauter de la fenêtre. Donc, la question de la chute, évidemment, va traverser toute sa vie et va l'accompagner toute sa vie, sachant que ça sera aussi une chute qui mettra fin au jour de cet homme et qui mettra fin au jour de cette femme, que sont les parents, les miens. Oui, donc la chute comme figure, et à titre d'exemple, vous en avez... Voilà. Et le livre fonctionne comme ça. Je vous entendais parler de l'invention. De l'invention du père, en fait, et de l'invention qui devient réelle, et ça recoupait ça pouvait faire écho à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le roman et le réel, c'est-à-dire que il y a des motifs qui correspondent sans cesse.
Et le livre fait lien aussi entre votre pratique d'écriture et la pratique de l'art martial, par exemple. On y viendra. Mais continuons à prendre les choses dans l'ordre. Et puisqu'on a parlé un peu de judo par Robert, peut-être pouvons-nous parler du karaté. Comment le karaté s'inscrit comme une filiation et une trahison, c'est-à-dire la continuation de la trahison, puisque ce n'est pas le judo, puisque ce n'est pas le même habit, mais tout de même une façon de continuer le geste de l'art martial de Robert et d'apprendre autrement et par vos propres moyens et faire votre propre cheminement. Oui, en fait, c'est un choix par défaut, hein, parce que comme si la mère avait instauré une loi physiologique, puisque j'ai un problème d'oreille interne, donc les mouvements tournoyants, par exemple, je ne peux pas danser la valse. Et de la même façon que je ne peux pas danser la valse, j'ai très vite la nausée quand je pratique le judo, puisque c'est des mouvements tournoyants. Et donc, par défaut, je me rabats sur le karaté. Alors que karaté, ça veut dire la main. Karaté, do, la voix. Do, c'est la voix. Te, c'est la main. Et kara, c'est vide. Donc c'est la voix de la main vide. Et cette main du karaté, c'est tous les mouvements et toutes les postures de la main qui vectorisent l'ensemble des mouvements du corps. Et c'est intéressant de pouvoir imaginer que les mains vectorisent l'ensemble des mouvements du corps. Mais dans le travail manuel, dans le travail manuel quel qu'il soit, on voit bien comment les postures du corps la manière dont on dispose son corps, par exemple en menuiserie, en ébénisterie ou dans n'importe quel métier manuel, eh bien, le corps se dispose par rapport à la manière dont les mains travaillent. Donc les mains sont vraiment le vecteur du corps. Et j'aimerais bien d'ailleurs citer quelques passages sur la main tout à l'heure. Et c'est exactement pareil dans le karaté, c'est-à-dire dans le karaté, c'est la main qui vectorise l'ensemble des mouvements du corps, le rythme du corps, les danses, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi la main qui écrit. Et ce qui était au départ le choix d'un art martial par défaut rejoint finalement l'activité de l'écriture. Et au jour d'aujourd'hui, dire qu'on écrit à la main paraît quasiment obsolète. D'ailleurs, on ne me pose plus la question. Il y a 25 ans, on posait encore la question. Vous écrivez à la main ou vous écrivez au clavier mais quand on posait cette question-là, évidemment, on la posait pour remplir l'interview, parce qu'on ne savait pas trop quelle question poser. Mais en fait, on se foutait totalement de la réponse. Au jour d'aujourd'hui, on ne pose absolument plus la question. C'est absolument évident, implicitement, qu'on écrit au clavier. C'est vrai que j'ai pensé à la poser, alors que dans mes notes, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de lui poser la question, alors que j'avoue que moi-même, ça fait longtemps que je ne la pose plus. Voilà. Et effectivement, je continue d'écrire à la main. Alors, pourquoi j'écris à la main? C'est parce que la main, c'est la pensée. Et alors, il y a des très beaux textes, je ferais mieux de citer parce que ça irait plus vite, de Derrida là-dessus, ou de Hegel, ou de... Est-ce que je vais retrouver, évidemment, parce que je n'ai pas préparé, donc... Je n'ai pas... Oui, alors, il y avait cette idée que quand vous écrivez des mots à la main, en fait, le mot, vous l'écrivez d'un seul coup. C'est absolument comme quand vous parlez. Quand vous parlez, le mot, il vient entier dans votre bouche. Et quand vous l'écrivez, le mot, il vient entier sous votre plume. Par contre, quand vous le tapez à la machine, sur le clavier, le mot ne vient pas en entier, le mot vient lettre par lettre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des fautes de frappe. On ne fait pas des fautes de frappe quand on écrit à la main. Et donc, le surgissement du mot écrit à la main ne peut pas
ne peut pas exister dans le travail sur le clavier. Et dans le travail sur le clavier, en fait, on fait évidemment des fautes de frappe, mais des fois, il suffit qu'on tape juste une lettre à côté pour qu'on ait un autre mot qui se configure. Donc, en fait, il y a une espèce de caractère aléatoire de la construction des mots et de la phrase sur le clavier qu'on n'a pas du tout quand on travaille à la main. Et j'aime bien aussi cette idée que les mots imprimés appartiennent à tout le monde, alors que les mots écrits à la main n'appartiennent qu'à celle ou celui qui écrit. Et évidemment que la sensation du mot qu'on écrit à la main est une sensation physique, est une sensation véritablement charnelle. Et moi, j'adore passer au clavier une fois que j'ai fini d'écrire mon manuscrit, mais je ne peux pas passer par-dessus cette immersion dans l'écriture à la main. Et c'est vrai qu'une fois que les mots sont imprimés, effectivement, ils appartiennent à tout le monde. Et à partir de là, la singularité d'une écriture, du graphisme, disparaît. C'est un texte qui appartient à tout le monde, dont on peut espérer, dans le meilleur des cas, qu'on entende encore l'auteur respirer. Si tant est que le travail musical dans la phrase opère. Mais en tous les cas, ce qui est de l'ordre de l'individualité graphique, évidemment, disparaît. J'essaye de vous trouver ces citations que je trouve magnifiques. Sinon, on peut la garder pour plus tard et continuer si vous ne la trouvez pas. Mais je ne la trouve pas. Alors, tant pis. Parce que ce que vous dites là sur le geste, oui, me ramène au karaté et aux deux endroits. Il y a la description de ce qu'on appelle les katas, oui, qui s'apparenterait, qui a des rapports avec l'écriture. J'aimerais vous demander lesquels. Et puis, il y a aussi, le deuxième temps, la description du combat, qui, lui, s'apparenterait à une forme de dialogue. Mais commençons par les katas, puisqu'on était dans des histoires d'écriture. Ce geste, sans cesse répété, et enseigné de cette façon-là, enseigné par le geste, enseigné en montrant, surtout pas en expliquant, vous tissez un rapport à la fois subtil et très net avec la pratique de l'écriture. Oui, parce que, en fait, ça s'appelle un art martial. Donc, dans martial, évidemment, il y a le côté guerrier, mais il y a aussi le côté art. Et on dit souvent que le travail du sabre est proche de la calligraphie, puisque ce sont des gestes dans l'espace qui tracent et qui, d'une certaine façon, tracent des calligrammes. Et pour ce qui est du karaté, ça s'apparenterait beaucoup plus à la question de l'écriture, puisqu'on a effectivement des mots. Il faut apprendre certains mots, comme on apprend un vocabulaire. Il faut ensuite en faire une syntaxe, c'est l'enchaînement des gestes. Et puis ensuite, il faut trouver un rythme. Et il faut finalement écrire un texte. Et les textes qui sont écrits sont des textes effectivement déposés dans une tradition, absolument comme les textes sacrés, que ce soit des textes bibliques ou que ce soit des textes mythologiques. À savoir, on a par exemple, pour ce qui est de ma discipline, 26 textes qui correspondent à 26 chorégraphies. Et ces chorégraphies, vous passez votre temps à les écrire, à les réécrire, c'est-à-dire à les effectuer dans l'espace, absolument comme si vous lisiez sans cesse, tel un théologien, les textes sacrés, de manière à les intérioriser suffisamment en vous pour qu'ils deviennent vous-même. Et c'est ce que j'ai appelé aussi les récits du combat, c'est-à-dire vous avez 26 récits du combat, et puis ces 26 récits, vous les intériorisez, vous les intériorisez suffisamment pour que ça devienne votre propre récit.
Et à partir de là, évidemment, vous les déployez comme si c'était vous-même qui étiez en train de les écrire. Et ça, c'est véritablement les textes sacrés. Et à côté de ces textes sacrés, vous avez l'interprétation des textes, et ça, on retrouve les pères de l'Église, c'est-à-dire de quelle façon on a construit une glose autour des textes sacrés. Et cette glose, c'est l'interprétation des combats, des katas, je veux dire, des chorégraphies, qui sont des interprétations produites par des maîtres qui sont suffisamment érudits pour être capables d'en faire des interprétations. Ça veut dire que vous ne faites pas seulement une chorégraphie seule, vous faites ensuite une chorégraphie avec plusieurs personnes autour de vous qui sont les adversaires, qui vont permettre d'actualiser le récit du combat en un combat, maintenant, ici et maintenant. Et donc, on a véritablement l'ensemble de ce qui fait, en fait, notre culture, même si c'est une culture qui nous vient d'Asie. On a effectivement l'ensemble du paradigme, à savoir, on a des mots, on a des phrases, on a des textes, et on a l'interprétation des textes. Et donc, on retrouve tout cela, sauf qu'au lieu d'être sur un mode du langage, soit écrit, soit parlé, c'est sur un mode du langage gestuel. C'est-à-dire, on arrive à un corps érudit, ce que j'appelle le corps livre. Et ça passe aussi par un double mouvement, et qui est très ambivalent et très intéressant. Alors, c'est pas un recentrement, mais c'est quand même puisqu'il y a un mouvement de décentrement, mais quand même pour se situer dans cette verticalité, dans cette horizontalité, dans l'espace, donc. En même temps qu'un mouvement nécessaire d'oubli de soi. Oui. Et ça aussi, vous le liez à l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture romanesque notamment, il ne s'agit pas d'un sujet contrôlant et démiurgique, oui, mais d'un moment d'oubli de soi, qui ne serait pas non plus juste l'inspiration alors, les vieilles lunes. Mais... Alors l'oubli de soi, c'est une chose effectivement très très importante, c'est-à-dire que il ne faut pas être auteur quand on écrit. C'est-à-dire, quand on écrit, faut arriver à être personne. C'est-à-dire être suffisamment traversé, disponible pour être traversé par des mots, par des visions, dont vous serez le transcripteur, mais dont vous n'êtes pas l'auteur. Alors, c'est peut-être un peu difficile à partager cette expérience-là. J'espère que je suis assez clair. Mais c'est absolument la même chose que quand on pratique, évidemment, les arts martiaux, ou quand on est dans un combat, ou même quand on est dans le dépliement d'un kata, il faut absolument ne plus être un sujet. Parce que si on est un sujet, c'est-à-dire si on est un auteur, on est dans un rapport rationnel aux choses, et dans ce rapport rationnel aux choses, il n'y a rien qui peut en sortir. C'est-à-dire rien d'autre que des idées qu'on peut échanger au comptoir du café du coin, mais c'est tout. Donc il faut arriver à s'absenter de soi-même et être totalement dans l'activité. Mais je pense qu'on peut trouver évidemment ce type d'expérience et de sensation quand on fait du jardinage ou quand on fait de la bicyclette, ou je ne sais pas. C'est-à-dire, on est dans une activité qui nous demande tellement d'attention qu'on est totalement dans l'oubli de soi. Et étant dans l'oubli de soi, on est probablement le plus au centre de soi-même. Le plus au centre de soi-même parce qu'on est totalement absorbé dans l'activité qu'on est en train d'effectuer. Et c'est précisément dans cet instant-là que précisément on est au plus près de la réparation. Puisque... au quotidien, nous sommes sur plusieurs fronts à la fois, qui sont le front social, le front affectif, le front familial, le front professionnel. Enfin bref, nous sommes au quotidien devant plein de fronts qu'il faut tenir et qui nous dispersent. Et la seule façon donc de se retrouver en une espèce d'unité, c'est de s'absorber dans une activité qui nous emporte. Dans le plaisir de l'activité. Le jardinage, par exemple, hein, il faut savoir cultiver son jardin, mais ça, je pense que celles et ceux qui peuvent pratiquer le jardinage comprennent peut-être ce dont je parle. Mais ça peut être toute activité dans laquelle on s'absorbe tellement qu'on oublie
que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes en tant qu'individus, en tant que sujets. Et c'est là que des choses ont lieu, c'est là que des choses se passent. C'est pareil dans l'écriture. C'est-à-dire que quand j'écris un essai théorique, j'emboîte des idées, je suis encore un sujet. Mais quand je suis en train d'écrire un roman, je ne suis plus du tout moi-même. C'est-à-dire que je suis rien. Enfin, je suis juste une espèce de... comment on dirait ça, de contact électrique, quoi. J'aime beaucoup cette formule de mon vieux professeur de maîtrise qui disait il y a le père discours et il y a la mère écriture. Et alors quand on est du côté du père discours, et ben on est à la tribune et on fait un discours. Et puis quand on est dans l'écriture, en fait on est dans la mère écriture, c'est-à-dire en fait on est nourri par quelque chose qui nous traverse, dont on est juste le résultat. Et on n'est pas justement à la posture de l'origine. On est juste dans le résultat d'un texte qui s'est écrit et dont on reçoit les bienfaits, si tant est qu'il y en ait. On va reparler de l'écriture si on a le temps, mais le combat maintenant. J'avais dit tout à l'heure. Effectivement, quand on a fait assez de kata, quand on a assez répété les gestes et quand on s'est assez dépossédé, on avance un peu. Et peut-être à ce moment-là, peut-on espérer combattre, c'est pas raisonnablement, mais sérieusement, quoi. C'est-à-dire combattre ensemble et non pas contre. Et ça, c'est absolument fascinant pour qui ne connaît pas ces sports-là à découvrir dans le livre. Alors combattre, hein, étymologiquement, c'est se battre avec et non pas se battre contre. Donc dans l'idée de combattre avec, il y a une idée évidemment de il y a une idée de jeu, il y a une idée de complicité. Et ce pourquoi j'ai voulu absolument associer combat et conversation, et également parler à ce moment-là de l'apparition d'un premier enfant et de ce rapport physique du chahut avec l'enfant, c'est-à-dire comment j'ai reconduit en tant que père ce rapport physique au chahut et à la bagarre qui pour moi était un plaisir totalement inscrit dans mes chairs quand je me suis mis effectivement à chahuter avec cet homme sur cette plage qui est devenu mon père. Je mêle effectivement les deux puisque dans un combat dans le cadre d'un dojo, évidemment, c'est un combat avec des règles où il ne s'agit pas tant de détruire l'autre que de progresser soi-même. C'est à peu près la maïeutique de Socrate, c'est-à-dire essayer de faire monter en l'autre une intelligence singulière qui sera là en l'occurrence une intelligence gestuelle. Et donc engager avec l'autre le combat, c'est engager avec l'autre une conversation, je dirais plus une dispute, hein, au sens latin du terme, hein, une dispute, c'est-à-dire une confrontation polémique dans laquelle chacun échange des arguments en essayant évidemment d'avoir raison, mais non pas pour détruire l'autre, mais dans la manière d'avoir raison, de faire peut-être monter en l'autre suffisamment d'arguments pour que ce soit nous qui ayons tort. Bref, dans une espèce de confrontation qui est en fait finalement un dialogue. Et j'ai allié cette question du combat avec évidemment le rapport physique et charnel qu'on peut avoir avec les enfants quand on chahute avec eux. Parce que finalement, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire cette manière dont deux corps s'articulent dans un jeu charnellement, mais dans laquelle un lien physique très fort se met en place. Et quand la paternité arrive, dans le livre, c'est le moment où vous passez à la deuxième personne, pendant quelques dizaines de pages, et puis vous le refaites un peu plus loin sur le même sujet. Et ça, ça m'a beaucoup interrogé. Donc je vous relance cette question, parce que c'est quelque chose qui est à l'œuvre, hein, toujours. Tout va bien. C'est quelque chose qui est à l'œuvre toujours dans vos romans aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'effet de style pour se faire voir. Mais il y a toujours, hein, que ce soit structurellement ou à l'échelle de la phrase, des effets à un moment de disjonction
qui produisent quelque chose qui nous surprend. Et là, en l'occurrence, effectivement, on est dans une surprise formelle, et évidemment pas que formelle, puisque ça dit quelque chose. Et je voulais vraiment vous poser la question de, cette auto-adresse, quoi, à ce moment-là. En fait, j'arrivais pas à écrire sur mes enfants. En fait, j'arrivais pas à écrire en tant que père, puisque je me suis toujours considéré comme un fils. C'est-à-dire du côté de la mère écriture, pas du côté du père discours. Parce que le père discours, évidemment, je m'en méfie beaucoup. Et donc, je me suis toujours considéré comme un fils. Et d'ailleurs, dans les arts martiaux, j'ai un maître. Donc, je ne suis qu'un élève. Et je ne serai toujours qu'un élève, parce que je sais que je ne serai jamais un maître. Et du côté de l'écriture, bah, je suis également un fils. Et là, d'un seul coup, il fallait que je me mette à parler de mes enfants. Et donc, en parlant de mes enfants, j'allais devenir un père. Ce qui est une chose qui est quand même me plongeait dans un grand effroi. Et pourtant, il était extrêmement difficile sur ce versant du masculin, qui n'était pas d'ailleurs, vous l'avez précisé au début, le versant de la virilité, mais bien autre chose. Sur ce versant du masculin, où il était question de cet homme qui devenait mon père et moi, enfant, créant un lien avec lui, il y a bien un moment, forcément, où moi, devenant père, je suis bien obligé de parler de ce rapport que je vais moi-même instaurer avec mes enfants. Et je n'arrivais pas à écrire ces passages. Et d'un seul coup, le recours au « tu » rend possible cette parole. Donc, j'ai un véritable dédoublement, mais ce n'est pas un dédoublement formel comme ça pour faire chic, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire à la première personne du singulier avec ce « je ne peux pas écrire la place du père ». Donc, pour écrire la place du père que je suis, bah, je suis obligé de dire « tu ». Et c'est pour ça qu'on passe au « tu », ce qui a permis d'un seul coup de déplier complètement la paternité, ce que je n'aurais pas pu faire à la première personne. De la même façon que dans « Mother », puisqu'il y a deux textes qui parlent quand même précisément de mes parents et de moi-même, c'est « Mother », où je ne parle qu'à la troisième personne du singulier, je parle du fils, je parle d'André et de Robert, mais je ne dis jamais « je ». Et là, où j'ai accepté de dire « je » en tant qu'enfant et en tant qu'élève, ne pouvant dire « je » en tant que père, je dis « tu ». Voilà. Cette profonde nécessité, quand un effet formel surgit, c'est, je le disais, à l'œuvre dans vos romans, hein, qu'il s'agisse, encore une fois, notamment des effets sur la narration, sur l'énonciation, des troubles que ça produit. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est parmi les nombreux auteurs cités, mais au moment où vous parlez du rapport geste-écriture, il y a Henri Michaux, assez évidemment, hein, qui on comprend vite pourquoi, oui, bah oui, la calligraphie, dessins, la répétition. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi... comment s'appelle-t-il ? Je ne connais plus, mais je vais le retrouver ici. Il y a aussi une citation de Charles Péguy. Oui. Et en rouvrant la tentation, oui, j'ai réalisé qu'elle ouvrait la tentation également. Donc, comme elle est là deux fois, dans ces deux livres a priori différents, je la lis juste parce qu'elle est importante, je pense. Que serait-ce quand il faut dans un livre mettre de la réalité ? Qu'arrive-t-il toujours ? Il me faut une journée pour faire l'histoire d'une seconde, il me faut une année pour faire l'histoire d'une minute, il me faut une vie pour faire l'histoire d'un jour. On peut tout faire, excepté l'histoire de ce qu'on fait. Et je vous la livre en besoin de commentaires, puisque là on discute, là on glose, oui, après, mais sa récurrence là, enfin, c'est pas un hasard. Et puis j'avais pas prévu, mais la réalité, enfin, on est aussi dans notre thématique, très bien. Oui, on peut tout faire excepté la réalité de ce qu'on fait. Hein, c'est ça, hein, je crois. Et c'est exactement ça le présent de l'activité. On peut tout faire excepté l'histoire de ce que l'on fait. Et ce que l'on fait, c'est le présent absolu dans lequel il n'y a pas possibilité d'une réflexivité. Et c'est là précisément qu'il y a l'oubli de soi. Et c'est là aussi qu'il y a le recentrement sur soi, probablement, puisqu'on est au cœur de son activité. Et je pense à autre chose, vers quoi je voulais aller, je ne voulais pas oublier d'aller. C'est là où se dirige le livre et qui me semble fondamental, et là, ça unit la filiation et la paternité.
le livre se termine sur un chapitre consacré à la transmission. Ça se passe notamment lors de marches en montagne, donc il est question du geste. Et d'ailleurs, l'enfant dit « Mais pourquoi es-tu si dur avec nous, papa ?» Donc, vous n'êtes pas temps de vous livrer même des reproches qui vous ont été adressés à cet endroit-là. Mais il me semble qu'à cet endroit-là, il y a une union du cœur vivant du livre. C'est un livre, non pas d'éducation, non pas de leçon, mais assurément de transmission. Parce que dans transmission, il y a le geste et l'adresse, mais il y a aussi le mouvement qui vous est essentiel, vous l'avez dit tout à l'heure, en philosophie. Oui, parce que, en fait, j'ai l'impression, avec l'expérience et le recul du temps, que c'est pas ce qu'on dit qui se transmet. En fait, nos paroles ne passent pas, je crois, auprès des enfants. Ce qui passe, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire ce qu'on fait, en fait. Et là, il y a des choses qui s'impriment, mais elles s'impriment parce que nous sommes en mouvement, parce que nous sommes dans le faire. Et c'est à ce moment-là que des choses se transmettent, beaucoup plus que dans les paroles. C'est-à-dire, dans les paroles, on est encore une fois un père-discours. Et c'est quand on est dans l'activité, dans l'action, que se définit l'être. Et c'est là, probablement, qu'il y a une transmission qui se fait. Et la marche en montagne, avec les enfants, c'était ça. C'était en fait non pas être dans un discours que l'on transmet, mais être dans une activité qu'on partage, à savoir traverser des paysages et parfois donc escalader des montagnes qui étaient fort difficiles à escalader, où on pouvait avoir d'un seul coup la remarque d'un fils qui, devant une beauté inouïe qui était celle des volcans d'Indonésie, d'un seul coup vous dit d'un ton de reproche un peu en colère, mais papa, pourquoi tu nous fais faire des choses aussi difficiles? Et là, d'un seul coup, vous êtes scotché parce que c'est une parole quasi métaphysique, c'est une question quasi métaphysique auquel vous aviez absolument pas songé à ce moment-là, puisque vous étiez dans la beauté des choses et que vous étiez émerveillé par le paysage. Et là, vous avez un enfant plus tout à fait un enfant, puisqu'il a 15 ans, et qui se tourne vers vous et qui vous pose cette question, mais vraiment de manière extrêmement, extrêmement frontale. « Mais papa, pourquoi tu nous fais faire des choses aussi dures ? » Parce qu'on vient de faire un dénivelé de 2200 mètres et qu'on a encore 2 jours de dénivelé énorme pour arriver en plus haut volcan d'Indonésie, à 3008. Donc ça va être 3 jours quand même d'efforts très soutenus. Et là, on est devant une beauté des choses absolument inouïe. Et d'un seul coup, il vous interpelle et il vous dit ça. Et là, c'est une vraie question philosophique et une vraie question métaphysique. Et évidemment, sur le coup, pendant une minute, je patine dans ma tête en train de me dire mais oui, mais quelle bonne question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Voilà. Et bon, je finis par trouver une réponse qui, semble-t-il, le satisfait, puisque après, il accepte cette épreuve, enfin cette épreuve qui est en même temps une expérience magnifique, mais quand même, voilà. Et la transmission sur. Et du coup, la transmission, c'est le partage de cet effort, en fait. En fait, c'est le partage d'une activité, quoi. C'est le partage d'une action. C'est le partage d'un mouvement, et non pas l'énoncé d'un discours. En fait, c'est ça, c'est comme la danse, quoi. C'est les épousailles des corps dans le mouvement de la danse. C'est là qu'il se passe quelque chose. Bien plus que dans un discours à la tribune. Manière de préterminer et de retourner aussi à ce qu'on évoquait sur le karaté. Mais pour autant, vous êtes là aussi et vous pouvez avoir lu le livre ou avoir une autre question à poser, parce que, comme je le disais, les tiroirs, il y en a beaucoup à ouvrir dans ce livre. Ou tout simplement quelque chose à dire qui n'est pas forme de question. On a encore quelques minutes pour cela. Est-ce que vous en avez l'envie? Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut passer ou est-ce qu'on vous entend? Ouais. Puisque j'ai l'occasion de te poser, j'allais te la poser un jour ou l'autre, tu parles de tout à l'heure de d'édification, qui est quand même un texte sur l'art du roman et un éloge du roman,
donc de la fiction totale. Comment tu gères l'articulation entre ça, qui est l'invention du roman comme pure fiction, et ce texte hybride qui mêle le réel et l'autobiographie? Ce que j'essaye de dire dans le délit de fiction, c'est que peu importe que le texte trouve ses origines dans une réalité qui s'est passée, ou que le texte soit inventé, puisque la seule chose qui compte, c'est la puissance du texte et la perception. Qui va nourrir la lecture. Puisque finalement, la lecture, elle sera effectuée par quelqu'un qui existe. Et donc, cette personne qui existe et qui va lire, eh ben, selon la puissance du texte, elle en tirera quelque chose pour elle-même, et ça sera donc de la réalité. Donc, en fait, pour moi, qu'un texte narratif, je parle là de la narration, hein, je ne parle pas de texte philosophique, ni de texte d'information, mais pour ce qui est du texte narratif, pour moi, peu importe qu'il soit inventé ou qu'il raconte une chose qui a existé. Ce qui compte, c'est sa puissance et la manière dont il va nourrir la lecture. Ce qui me semble-t-il, peut-être y a-t-il une autre question, on aurait juste le temps, mais ce qui me semble-t-il nous fait revenir aussi, hein, cette question de mouvement, parce que vous avez parlé de perception, et l'auteur est souvent celui du côté de la conception, et en fait, vous versez les choses vers leur intérêt, c'est dans le mouvement, quoi. C'est l'auteur, c'est ce que va en faire aussi le lecteur ou la lectrice. Eh bien, il est quasiment l'heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, il y a une séance de dédicace à côté. Ensuite, donc, vous pouvez trouver Luc Lang dans un rapport plus direct, dans un combat, dans un dialogue, une dispute individuelle. Merci beaucoup, Luc. Merci. J'espère que celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce livre auront eu envie de le découvrir. Et bien évidemment, je n'ai mis que deux des nombreux romans de Luc Lang, mais allez-y voir aussi, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.